Rose Kambo, avec vous, on va parler en français. Oui. Alors, qu'est-ce que vous avez vécu sur place, Abel? Merci. Ce qui est, merci beaucoup pour l'invitation, beaucoup plus nous remercions pour cet accueil et pour la question. Et ce qui est à préciser, c'est que la délégation n'est pas composée directement de... En fait, dans sa globalité, par des rescapés, mais il y a aussi des activistes. Ouais. Par exemple, moi, je suis activiste, je ne suis pas rescapé, et c'est moi qui conduis la délégation. Je vis à Butembo, oui. Je suis activiste et je viens d'une organisation qu'on appelle Dynamique des femmes pour la bonne gouvernance, oui. D'IFEGU, qui chapeaute même, ou qui est l'organisation initiatrice de cette mission. Et nous sommes ici, et honorable venait de le dire, pour rencontrer les institutions, mais aussi une autre mission, c'est de parler aux Kinoises et Kinoises, pour qu'ils puissent prendre conscience que la question des massacres est vraiment une question qui nous concerne tous. Et qu'avec cette mobilisation nationale, que l'ennemi se sente vraiment mal à l'aise. Et pourquoi nous sommes venus? Parce que nous avons constaté, et nous suivons des émissions, nous suivons les médias, nous suivons en fait les débats à partir de là chez nous. Et nous avons constaté, nous avons constaté une banalisation de la situation. Et par la plupart de nos frères et sœurs vivant à Kinshasa, et par même la plupart ou certains alors animateurs des institutions. Ce que nous avons dit, avec cette banalisation, nous n'allons pas résoudre la question pendant qu'on est en train d'enregistrer des morts chaque jour. Il nous faut donc avancer, aller jusqu'au siège des institutions, comme l'honorable Christelle venait de le dire. Nous sommes venus pour rencontrer les autorités, les mettre au parfum. Au parfum avec les témoignages piquants des rescapés, parce que lui, par exemple, Joël, c'est un des rescapés. Et pour que nous puissions aussi avoir le temps de parler aux Kinois de la question, donner des éclaircissements sur ce qui se passe et en rapport avec le massacre, que de dire à Kinshasa, qui de raconter que les gens sont en train de s'endettiller, les gens sont en train de construire des maisons, parce que c'est ce qui se raconte ici. Nous l'avons suivi dans des médias à partir d'ici, à partir des relais qui s'effectuent avec les médias locaux de nos entités respectives. Nous sommes venus montrer que la question n'est pas là, mais c'est une question d'occupation, c'est une guerre d'occupation. L'ennemi veut prendre notre terre et nous n'avons qu'une seule. Que nous soyons au Bandundu, que nous soyons à Kinshasa, que nous soyons à l'Équateur, le Congo, c'est un seul pays, c'est une nation. Et il n'est pas bon que l'ennemi puisse, que nous puissions laisser l'ennemi récupérer une partie de notre terre, parce que là, nous serons redevables devant non seulement Dieu, mais aussi devant nos ancêtres. Et nous ne serons pas responsables. Nous sommes vraiment venus pour solliciter l'accompagnement, le soutien de Kinshasa, des frères et sœurs de Kinshasa, pour que les gens puissent arrêter ce langage qui est de caractère à donner la force à l'ennemi. Voilà, merci, Madame Rose, je vais revenir à vous tout à l'heure. Alors, M. Botchou, Mamak Joël, vous êtes un des rescapés. Faites-nous un témoignage de ce que vous avez vécu sur terrain. Même à Swahili, si vous êtes à l'aise, hein, oui. Ce n'est pas un problème. Oui, vous avez la parole. Papa, 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 vendredi. Papa, 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 bakafani baka bazingiria benye balikuwa biko nyuma yabo banakia kuta na basi anguka mwambikusikade basa baikalisa chini bakafani baka kimbia saba likimbia banafika ndalia saba likika ndalia banatuambia te kule bakupayenu kule bananguka mwambikusikade kutia vile tunapona tunakimbia kule sana kama me vile hapa nishafani nishakufa njo siyeka mwapayenu biko ubia apana. Na mama vile kwesi alikuwa anashafa nini? Asha la mkia asubuhi kusema bakutana na nani na mapapa kushamba kusema batakuyana nini? Moyo. Ilikuwa kaere anuel. Ya bona nini? Ya fete.
Allez, bon compte.